voici notre vrai Segway, le vrai de vrai, l'original Segway I2. Le Segway est un engin à deux roues qui est muni de 6 gyroscopes et qui vous tient en équilibre quoi qu'il arrive. Le Segway est un véhicule de déplacement personnel qui peut atteindre une vitesse de 20 km/h et qui a une autonomie de 40 km. Comment ça fonctionne le Segway? Eh bien, c'est à l'intérieur des roues, il y a un système de gyroscope qui nous tient en équilibre. Alors, le manche, la poignée ici, n'a pas vraiment rien à voir avec le déplacement, c'est simplement le poids du corps qui fait déplacer la machine. Alors, si on met notre poids par en avant, la machine avance. Si on met le poids par en arrière, le Segway recule. Et pour tourner, il s'agit de pousser légèrement la poignée afin de faire un 360 comme on le voit présentement. Alors, c'est un appareil qui peut tourner sur lui-même, qui prend le rayon de la largeur de l'appareil. On n'a pas besoin vraiment d'espace plus grand que les roues pour tourner. Pour avancer, on met notre poids en avant. Pour reculer, on met notre poids en arrière. La poignée sert simplement à se tenir et à garder un peu l'équilibre. C'est plus facile d'avancer et de reculer qu'avec la poignée. Alors, on peut se balancer comme ça ici. Et c'est vraiment très précis. C'est pas difficile à utiliser, ça prend environ 10 à 15 minutes pour s'habituer et peut-être quelques heures pour devenir plus habile. Le Segway est muni de deux moteurs de deux forces, alors c'est très très puissant. On peut monter à peu près n'importe quelle côte inimaginable et les descendre aussi avec un peu de prudence quand même. Il faut toujours consulter le manuel de l'utilisateur pour savoir à quoi s'attendre du Segway et suivre le petit cours avant d'acheter le Segway. Le cours est obligatoire. On vous donne un training de environ 30 minutes pour vous donner les commandes de base. Alors, celui-là est le Segway I2. Nous avons aussi, nous pouvons voir le Segway X2 qui est muni des grosses roues tout-terrain et qui est fait pour faire du hors-route. L'avantage de celui-ci est qu'il est plus confortable. Et qui, celui-là est fait vraiment pour se déplacer en industrie, en ville ou dans des endroits permis, ou en camping, où on en vend beaucoup aussi pour les gens de la Floride. Alors, le Segway I2 est disponible chez superscooter.ca au prix de 6 995 $, et c'est un peu négociable, mais pas beaucoup. Alors, on va faire une démonstration du Segway en 2 minutes. Alors, le Segway, on pense des fois que c'est pour se promener à l'extérieur, mais regardez, c'est vraiment pratique si vous vous promenez dans l'intérieur. Cette porte-là est quand même assez dure à ouvrir, mais je l'ouvre facilement. C'est très pratique dans les corridors. Et ça freine très rapidement quand même. Vous voyez ici le corridor environ 5 pieds de large et je peux tourner très facilement. Ce qu'on entend, c'est le bruit du plancher et non le Segway. Là. Le Segway ne fait pas de bruit comme ça. C'est très, très, très agile. Vous avez vu que c'est quand même très rapide. Et puis, c'est vraiment l'idéal pour les déplacements intérieurs. On peut faire des déplacements à l'intérieur facilement, même quand il y a beaucoup d'endroits restreints. C'est très, très, très agile. On peut se promener absolument partout sans faire d'accident. Alors, je peux avoir accès absolument partout dans le magasin. Dieu sait que les espaces ne sont pas très larges ici. Là. Il y a beaucoup de stock dans le magasin. Ici, c'est complètement pris. Je n'ai même aucun espace de manœuvre. Alors, je vais tranquillement avec la poignée sans rien accrocher. Je vais aller à l'extérieur. Sans débarquer du Segway et m'en aller à mon bureau. Et je peux m'en aller à mon bureau très facilement.
temporairement. Et quand on revient, on appuie simplement sur le bouton. On attend que le Segway soit remis en marche et on peut repartir. Alors, c'était le Segway I2 disponible chez superscooter.ca, le revendeur officiel de la région de Québec. On va faire une démonstration du Segway. Wouhou! Alors, comme vous allez le voir, le Segway peut aussi monter des côtes très facilement. Ici, c'est une petite côte, mais j'ai déjà monté la côte Saint-Sacrement de Québec avec. Ici, c'est une entrée. Alors, le Segway se tient toujours de façon verticale dans les côtes. Alors, ça ne penche ni vers l'avant ni par l'arrière. On peut même le descendre en reculant. Alors, c'est vraiment très, très habile et très puissant. On peut même arrêter au milieu de la côte. Me maintenir en position et repartir. Et c'est très pratique que quand on travaille dans un entrepôt, on peut se promener avec, arrêter, le mettre de côté, rentrer à l'intérieur, s'en revenir et repartir. Alors dans mon cas, c'est un raccourci, c'est très utile pour mon travail parce que je me couvre à journée longue. Segway I2 de superscooter.ca.